dans le mois de décembre année 2000, vers 11h, pour arriver midi dans le matin. Nouvelle la tombée tant qu'une bombe. Mike Williams disparaît dans le moment où il a chassé Canamaon. Ça passait dans un lac tout près de Ville Tallahassee, dans Noita, Floride. Là même, la police dans Floride lance une grosse opération pour joindre Mike Williams. Mais c'était sans résultat. Plusieurs jours passés, il n'y a pas jamais joindre. Cependant, la police joue un autre Mike Williams dans le lac là. Finalement, investigateur pensait que Mike Williams a sauté tombé dans un autre litéré et puis caïman dévoré. Est-ce que c'est caïman qui mangeait Mike Williams tout bon vrai? Ou bien le saisit tandis qui est-ce qui touille Mike Williams et puis comment ça t'est passé? Quelques mois après la disparition de Mike Williams, Madame Lee, Denise Williams, fait une pétition dans le tribunal pour demander de fermer un dossier de recherche sur Marie Lee et puis déclarer Marie Lee mourir noyée dans un accident. Comme ça, le dossier Mike Williams l'a fermé, malgré quelques investigateurs qui pensaient que la disparition était suspecte. Dans l'année 2005, Denise Williams, mariée avec Brian Winchester. Qui a citoyen ça y Brian Winchester était meilleur ami Mike Williams. États-Unis, il aurait sa best friend. En plus, il était bon ami Mike. Brian, c'était un agent qui vend assurance vie. Avant disparition Mike, il était aidé à acheter plusieurs paquets d'assurance qui coûtaient presque 2 millions de dollars. Denise Williams a bien vivre avec nouveau mari Lee. Brian Winchester, qui était best friend ancien mari Lee. Avec presque 2 millions de dollars, le couple a bien passé. Cependant, plus de temps a passé, il y a un monde qui n'a pas jamais cru dans la théorie caïman. Mounsa a relé Cheryl Williams, li se maman Mike Williams. Cheryl écrit gouverneur Floride dans l'époque là, plusieurs lettres pour Mandeli. Ou elle ouvre dossier disparition petite li. C'est dans moment, quelques investigateurs joignent une information importante. Pendant l'hiver, caïman pas mangé parce que l'eau est trop froide. Investigation est relancée. Pendant ce temps, Denise et Brian divorcé. Quelques années après, en 2016, la police arrête Brian Winchester pour peut-être kidnapper Denise Williams. Quelques jours avant le jugement Brian, pour le kidnapping sur Denise Williams, investigateur rejoint comme Mike Williams, qui était enterré dans le lac. Pendant le jugement, Brian avoue que c'est lui qui touille Mike Williams, à complicité Madame Lee, Denise Williams. Brian explique qu'il était dans une relation amoureuse avec Denise depuis longtemps. Mais réveillons-le, lui-même avec Denise montait un plan pour touiller Mike. Il encourage Mike à prendre plaisir à paquer assurance. Plus de temps a passé, plan assurance commence et fini. Il dit, c'est dans moment ça, lui et Denise, te pensé touye Mike. Dans le matin décembre 2000, Brian dit qu'il pousse Mike dans le lac. Là. Les lui Mike a bataille avec Gloa, il panique. Même moment, il a les amis, il tire Mike et puis enterre le lac. Là. Dans l'année 2019, la justice dans l'État Floride condamne tout de Denise a passé toute ville en prison. Brian lui-même gagne pour passer 20 années à cause il était témoigné contre Denise. La majorité crime qui fait, c'est monde qui connaît ou qui fait ou bien participer là-dedans. En pile fois, c'est en dans la caillou. Nous devons prudent.